Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter ces deux ensembles, ces deux jolies tenues pour la Saint-Valentin, à Ken et à Barbie. Pour tricoter ces modèles, on aura besoin de deux couleurs différentes. Donc là, c'est la Super Soft de chez Ziman. Là, c'est la Bleu Marine de Orient de Cheval Blanc. Là, c'est une boîte de petits cœurs que j'avais acheté l'année dernière au moment de la Saint-Valentin à Action. Une paire d'aiguilles numéro 2. Deux petits pompons rouges. Quatre petits boutons. Un petit morceau si vous avez de la feutrine ou un petit morceau de tissu. Parce qu'on va essayer de faire deux petites poches sur le pantalon de Ken. Et un petit cœur, soit comme ça ou soit comme ça, hein, on peut utiliser celui-là aussi, pour faire le petit ceinturon du pantalon de Barbie. Nous allons commencer par le pull de Ken. Donc on va monter 26 mailles en bleu marine. Donc 1, 2, 24, 25, et 26. Et on va continuer en faisant 4 rangs de côtes de 2. Donc les côtes de 2, c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Pendant 4 rangs. Nous avons nos 4 rangs de côtes de 2. Donc maintenant, on va prendre la couleur ocre et on va tricoter en jersey, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Pendant 7 cm. J'ai mes 7 cm de jersey. Maintenant, on va reprendre le bleu marine et on va tricoter 8 rangs de points mousse. Donc là, toutes les mailles se tricotent à l'endroit, aussi bien le rang aller que le rang retour. Tout à l'endroit, point mousse, pendant 8 rangs. Maintenant, on va s'occuper de l'encolure. Vous allez voir, ce petit modèle est très, très, très simple. Donc, on tricote 8 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va rabattre 10 mailles, donc on en tricote 2 et on passe la première sur la deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va la refaire, 10 et 8 mailles à l'endroit. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rang retour, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va monter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 8 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
on a notre encolure qui est faite. Et on va retricoter 8 rangs de points mousse. Donc toutes les mailles à l'endroit. Voilà, les 8 rangs de points mousse en bleu marine sont faits. On peut couper le fil. Et on va reprendre la couleur ocre. Et on va simplement tricoter pendant 7 cm en jersey. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers pendant 7 cm. Donc voilà, j'ai mes 7 cm de jersey. Maintenant, on va pas tout de suite faire les rangs de côte de 2 parce que sinon ça serait pas joli. Donc on va faire un rang de mailles tout à l'endroit. Si j'arrive à attraper mon fil. Oh, il y a des jours, hein. Voilà, comme ça. Donc un rang tout à l'endroit. Et après, il ne nous restera plus qu'à faire 3 rangs de côte de 2 et à rabattre toutes les mailles. Donc on verra après pour les rabattre. Je vais vous montrer. Voilà, pour qu'on ait la même hauteur des deux côtés. Donc un rang tout à l'endroit et 3 rangs de côte de 2. Il ne nous reste plus qu'à rabattre les mailles, donc on va les rabattre dans le sens des côtes. Donc là j'ai 2 mailles à l'envers, donc on va tricoter 2 mailles à l'envers et on va passer la première sur la deuxième. Là j'ai maille endroit, donc je la tricote à l'endroit et on passe la première sur la deuxième. J'ai une maille endroit, je la tricote à l'endroit. Voilà, vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. Maintenant, on va tricoter les manches. Donc, on va monter 22 mailles et vous allez tricoter 4 rangs de côte de 2. Donc, on monte 22 mailles et 4 rangs de côte de 2. Voilà, nous avons nos 4 rangs de côte de 2. Maintenant, on va reprendre la couleur ocre et on va tricoter en jersey pendant 3 cm. Donc, un rang à l'endroit, un rang à l'envers pendant 3 cm. J'ai les 3 cm de jersey. Donc, maintenant, on va faire une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord. Donc on en tricote 2 et là on prend juste la maille du dessous, on la met sur l'aiguille gauche et on la tricote à l'endroit. Et on va aller comme ça jusqu'au bout du rang, enfin pas jusqu'au bout, juste 2 mailles avant qu'on termine le rang. Je vais vous montrer. Donc vous allez voir, ce petit ensemble, il est vraiment très très facile. Et puis, on va lui mettre des petits cœurs partout pour la Saint-Valentin. Ça va être tout mignon. Donc, là, encore une. Et on fait la deuxième augmentation. Donc, on la passe sur l'aiguille gauche et on la tricote à l'endroit. Et nous allons continuer en jersey jusqu'à ce qu'on ait 6 cm de hauteur en ocre. Pendant jusqu'à ce qu'on ait 6 cm. Voilà, jusque là. J'ai les 6 cm. Donc on va refaire deux augmentations. Donc une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord. Donc on en tricote 2. On la prend, on la met sur l'aiguille gauche et on la tricote à l'endroit. Et vous allez en refaire une deuxième de ce côté-là. Donc vous devriez avoir 26 mailles sur votre aiguille. Et après, vous allez continuer en jersey jusqu'à ce que vous ayez 8 cm de jersey. Voilà, j'ai mis 8 cm de jersey. Il ne nous reste plus qu'à arrêter les mailles. Donc on en tricote 2. Et on passe la première sur la deuxième. Donc on fait ça tout le long du rang. Et vous allez tricoter une deuxième manche à l'identique.
Alors, on commence par la déco du pull. Donc là, j'ai mis deux petits boutons. Et puis, on va mettre deux petits cœurs. Vous pouvez les découper dans la feutrine aussi, hein. Ça fera les poches. Donc, cousez ça avant. Ce sera plus simple. Après, ben, vous mettez votre travail de cette façon. Et vous allez coudre les manches sur l'épaule. Et après, comme ça. Vous allez faire la manche et le côté. On poursuit en tricotant le pantalon. Donc, on va monter 22 mailles. Donc, une, deux, trois, 21 et 22. Et on continue en tricotant deux rangs de côtes de deux. Donc, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, pendant deux rangs. Voilà, et on va continuer en jersey pendant 8 cm de hauteur totale. J'ai mes 8 cm de hauteur totale, donc maintenant on va faire une augmentation de chaque côté. À 2 mailles du bord, donc j'en tricote 2 et je vais chercher celle du dessous, je la place sur l'aiguille gauche et je la tricote à l'endroit. Et vous allez en refaire une ici. Donc vous aurez 24 mailles sur votre aiguille. Ensuite, vous continuez en jersey jusqu'à ce que vous ayez 10 cm de hauteur totale. Voilà, j'ai mes 10 cm. On va refaire des augmentations. Donc, une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord. Et puis là, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les petits cœurs parce que ça fait trop fille sur le sur Ken. Donc, ça va pas. J'ai lâché une maille. Voilà. Hop, une augmentation. Et on en refait une. Ici à 2 mailles du bord. Et on continue en jersey jusqu'à ce qu'on ait 12 cm de hauteur. Voilà, j'ai mis 12 cm. Donc on va faire des dernières augmentations. Donc toujours pareil, à 2 mailles des extrémités, on prend une maille, on la place sur l'aiguille gauche et on la tricote à l'endroit. Voilà, et vous allez refaire une augmentation aussi ici à 2 mailles du bord et vous continuez en jersey jusqu'à ce que vous ayez 13 cm, donc 1 cm de plus. J'ai mes 13 cm de hauteur totale, donc maintenant on va faire 4 diminutions de ce côté et au rang retour 4 diminutions de l'autre côté. Donc on en tricote 2 et on passe la première sur la deuxième, donc une, 2, 3 et 4. Et vous allez tricoter en jersey jusqu'au bout du rang. Et au rang retour, vous enlèverez 4 mailles aussi de ce côté. Voilà, les diminutions sont terminées. Il nous reste 18 mailles sur l'aiguille. Il ne vous reste plus qu'à faire une deuxième jambe à l'identique. Maintenant, on va assembler les deux jambes. Donc, c'est tout simple. On tricote à l'endroit et on va tricoter la dernière maille et la première maille ensemble. Et on va continuer en jersey pendant 2 cm et demi. Donc voilà, j'ai mes 2 cm et demi de jersey. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire deux rangs de côtes 1-1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, tout le long du rang, hein, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et vous pourrez rabattre toutes les mailles dans le sens des mailles. Nous allons passer au montage du pantalon et à la déco. Donc là, j'ai découpé un petit morceau pour faire des fausses poches. Enfin, il pourra rentrer les mains s'il veut. Là, vous allez essayer de 2 sur 3 cm. En cousant un petit bonnet, un petit bouton. Donc, on va coudre la poche
avant de monter le pantalon parce que ce sera beaucoup plus facile. Donc on va en mettre un aussi de l'autre côté. Et là, c'est un rectangle de 5 sur 3. Vous le pliez en deux et vous faites une petite encoche comme ça sur le côté. Et vous faites une couture ici, en bas et sur les côtés. Ensuite, pour le pantalon, on va mettre endroit contre endroit et on va assembler au niveau des 4 mailles, d'ici jusqu'en bas. Et après, il ne restera plus qu'à faire. C'est pas facile de vous le montrer comme ça. Voilà. De faire la couture de l'entrejambe. Et je vous retrouve à ce moment-là et on pourra faire le bonnet. Donc voilà, notre petit ensemble est prêt. Il nous reste plus que le bonnet à tricoter. Donc, pour le bonnet, c'est tout simple. Vous allez monter 40 mailles et tricoter 18 rangs de côtes de 2. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers pendant 18 rangs. Donc, on continue. Le rang 19. Donc là, j'ai 2 mailles à l'endroit. Eh bien, on va les prendre 2 mailles ensemble à l'endroit. J'ai 2 mailles envers. Eh bien, on va prendre 2 mailles ensemble à l'envers. Et ainsi de suite. J'ai 2 mailles à l'endroit. Je les prends ensemble à l'endroit. J'ai 2 mailles à l'envers. Je les prends ensemble à l'envers. Et vous faites ça jusqu'au bout du rang. Rang numéro 20. Eh bien, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit tout le long du rang. Et il va vous rester 10 mailles sur l'aiguille. Ça serre un petit peu, mais c'est normal parce que c'est. On rabat pas mal de mailles en même temps. Voilà. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai enfilé l'aiguille à laine et là, on va récupérer nos 10 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe l'aiguille. Et il ne nous reste plus qu'à faire la couture sur le côté, de repasser à l'endroit. Et au début, je vous ai parlé d'un pompon rouge, mais ça va pas aller. Donc, on va mettre un pompon bleu pour que ça aille avec la tenue. Et on en aura terminé pour Ken. Et on va pouvoir passer à Barbie. Alors, pour Barbie, j'ai déjà commencé le pull. Donc, je vous explique. J'ai monté 22 mailles. Et vous allez faire 12 rangs de côtes de 2. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers pendant 12 rangs. Ensuite, vous allez prendre la laine ocre ou une autre couleur que vous aurez choisie et vous allez tricoter en jersey pendant 3 cm. Ensuite, on reprend la laine bleu marine et comme pour Ken, on va faire 8 rangs de points mousse. Donc tout à l'endroit. Donc pendant 8 rangs. C'est tout simple, hein? On va faire comme Ken, c'est simplement le nombre de mailles qui diffère. Donc là, on va faire l'encolure. Donc 7 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va rabattre 8 mailles, donc on en tricote 2 et on rabat la première sur la deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, j'ai fait une erreur. Hop, voilà. 8 et 7 mailles. Donc 2,
trois, quatre, cinq, six et sept. Rang retour, toujours aussi simple. Sept mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On monte huit mailles. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Sept mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et on refait huit mailles de huit rangs de points mousse. Voilà, les huit rangs de points mousse sont terminés. Maintenant, on reprend la laine ocre et on va tricoter en jersey, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, pendant 3 cm. J'ai les 3 cm de jersey en ocre. Maintenant, on poursuit avec le bleu marine et on va faire un rang de jersey endroit, donc toutes les mailles à l'endroit. Et ensuite, on poursuit et on va faire 11 rangs de côte de 2, comme ici, et vous pourrez arrêter les mailles. On commence pas tout de suite par les côtes de 2 parce que sinon ça nous ferait une vilaine couleur là. Donc c'est pour ça qu'on fait d'abord un rang à l'endroit et on poursuit avec 11 rangs de côte de 2 et on arrête les mailles. Voilà, le dos et le devant sont terminés et ici on va lui coudre un gros cœur rouge parce que c'est quand même un ensemble pour la Saint-Valentin. Donc pour les manches, vous allez monter 16 mailles et tricoter pendant 16 rangs en côte de 2. Ensuite, on prend la laine ocre et on va faire des augmentations. Donc je vais faire ce petit rang avec vous. Donc vous voyez, ces petits ensembles sont très 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 simples. Donc on commence par 3 mailles à l'endroit. Donc une, deux, trois, une augmentation, on va la prendre au milieu, on s'embête pas. Deux mailles à l'endroit, une, deux, une augmentation, deux mailles à l'endroit, une, deux, une augmentation. Deux mailles à l'endroit, une, deux, une augmentation, deux mailles à l'endroit, une, deux, une augmentation, deux mailles à l'endroit, une, deux, une augmentation, et on termine par trois mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et on va continuer en jersey jusqu'à ce que vous obteniez 8 cm de hauteur totale. Donc comme cette manche, donc j'ai, tiens la règle dans le bon sens, voilà, j'ai 8 cm. Et là, vous pourrez arrêter les mailles et faire bien sûr la seconde manche. Alors nous allons pouvoir passer à l'assemblage du pull. Alors pour les manches, j'ai oublié de vous dire, avec les augmentations, on atteint 22 mailles. Donc d'abord on coud la petite décoration, ensuite on met sur l'envers et on va coudre les manches ces deux côtés. Ensuite vous pliez et vous faites la couture de la manche et du côté, et la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve pour continuer
cet ensemble avec le pantalon. On va commencer le pantalon. Donc, vous allez monter 18 mailles et tricoter 2 rangs de côtes de 2. Ensuite, vous poursuivez en jersey pendant 8 cm. À 8 cm, on va faire 2 augmentations. Donc, une augmentation à 2 mailles de bord. Donc, 2 mailles. Ce coup-ci, on va prendre sous la première maille et on la tricote à l'endroit. Voilà. Et vous allez faire une seconde augmentation ici. Et vous continuez en jersey jusqu'à ce que vous ayez 10 cm. J'ai mes 10 cm, donc on va refaire 2 augmentations. Donc, une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord, ce qui va nous donner 22 mailles. Donc, 1, 2 et une augmentation. Voilà, vous continuez en jersey et à 2 mailles du bord, vous refaites une nouvelle augmentation. Et vous continuez en jersey jusqu'à ce que vous ayez 12 cm de hauteur. J'ai mes 12 cm, donc je reprends dans l'explication de cette jambière. Donc vous montez 18 mailles, vous tricotez 2 rangs de côtes de 2, à 8 cm, une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord, ce qui vous donne 20 mailles, à 10 cm, une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord, qui vous donne 22 mailles, et à 12 cm, une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord, ce qui va nous donner 24 mailles. Donc j'en tricote 2 et je prends la maille du dessous et je la tricote à l'endroit. Voilà. Et vous faites la deuxième augmentation ici. Après, vous continuez encore pendant 1 cm, donc à 13 cm de hauteur totale. J'ai mes 13 cm, donc maintenant on va rabattre 3 mailles de chaque côté. Donc j'en tricote 2 et je passe la première sur la deuxième, donc 1, 2, 3 et on tricote en jersey jusqu'au bout du rang. Et au rang retour, vous rabattrez 3 mailles aussi. Et vous allez faire une seconde jambe à l'identique. On a nos deux jambes. Donc maintenant, on va assembler les jambes. Donc vous allez continuer à tricoter en jersey. Et vous allez tricoter la dernière et la première maille ensemble. Donc là, on a 36 mailles, 18 mailles sur chaque jambe. Et comme on va tricoter ensemble la dernière et la première maille, il nous restera 35 mailles sur l'aiguille et vous allez continuer en jersey pendant 2 cm. Voilà, j'ai mes 2 cm depuis l'entrejambe. Donc maintenant, on va faire une petite ceinture. Donc on va reprendre la laine ocre et on va commencer de cette manière. Donc 3 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, je glisse une maille comme si je voulais la tricoter à l'envers. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, je glisse une maille, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, je glisse une maille. 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, je glisse une maille, 1, 2, 3, 4, 5, je glisse une maille, 1, 2, 3, 4, 5, je glisse une maille et une maille à l'endroit. Rang retour.
une maille à l'endroit. Je passe mon fil devant. Je fais glisser la maille. Je repasse le fil et je tricote mes 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas à chaque fois de repasser votre fil quand vous glissez la maille, parce que sinon vous allez l'avoir devant votre petit passant de ceinture et c'est pas ce qu'on veut. Donc on repasse le fil, 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, on passe le fil, on fait glisser la maille, on repasse le fil, 1, 2, 3, 4, 5, on passe le fil, on fait glisser la maille, on repasse le fil, 5 mailles, 2, 3, 4, 5, on passe le fil, on fait glisser la maille, on repasse le fil, 1, 2, 3, 4, 5, on passe le fil, on fait glisser la maille, on repasse le fil et on termine par 3 mailles à l'endroit. Hop, et on va tirer un petit peu le fil. Voilà. Et maintenant, on va reprendre le bleu marine et vous allez tricoter 2 rangs de côtes 1-1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers et vous pourrez arrêter les mailles dans le sens des mailles. Alors, petite erreur, on ne va pas faire tout de suite le rang de côtes 1-1. On va d'abord faire un rang de mailles tout à l'endroit parce que quand on fait la maille à l'envers, ça ne fait pas joli devant. Donc, on fait un rang de mailles en droit et 2 rangs de côtes 1-1 et vous pourrez arrêter les mailles dans le sens des mailles. Alors, pour le montage endroit contre endroit, et vous allez faire la couture à partir des 3 mailles rabattues jusqu'en bas, donc des deux côtés, et après, il ne vous restera plus qu'à faire à coudre l'entrejambe de cette manière. Et pour finaliser ce petit pantalon, j'ai mis un peu de colle, je lui ai collé un petit cœur. Voilà. Donc maintenant, on va faire le petit bonnet. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, mais je vais vous expliquer. Donc pour ce bonnet, vous allez monter 36 mailles et vous allez tricoter 16 rangs en côte de 2. Donc le rang 17, on va tricoter 2 mailles ensemble. Donc là j'ai 2 mailles à l'endroit, on les prend ensemble. Là j'ai 2 mailles à l'envers. On les tricote ensemble à l'envers. J'ai 2 mailles à l'endroit, on les tricote ensemble, si j'y arrive, voilà, à l'endroit. J'en ai 2 à l'envers, je les tricote à l'envers. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Et on fait comme ça jusqu'au bout du rang. Donc là, on a 18 mailles. Donc pour terminer ce bonnet, on va encore une fois tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit tout le long du rang. Donc il va nous rester 9 mailles sur l'aiguille et vous prendrez l'aiguille à laine et vous pourrez faire la couture sur le côté et coudre le pompon. Et il ne me restera plus qu'à vous présenter ces deux tenues sur la poupée. Alors j'espère que ces petits couples Ken Barbie vous plaisent parce qu'il y en aura quand même pas mal dans le livre. J'en suis déjà à 4 créations de couples et je trouve ça très joli de le faire pour tous les deux. Voilà, c'est pour vous donner des nouvelles sur l'évolution de mon livre. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.